Bonsoir tout le monde. Alors, je vais être accompagnée ce soir de Claire et Amanda du cabinet d'avocats en immigration Nadia Barrou. Bonsoir à toutes les deux. Bonjour. Alors, avant de leur laisser la parole, puisque c'est elles qui vont vous parler de ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire le programme de l'expérience québécoise surnommé le PEC, qui permet à certains d'entre vous d'immigrer au Québec. Je vous précise également qu'on va faire un autre webinaire qui peut vous intéresser le 27 juin prochain avec l'équipe aussi du cabinet Nadia Barrou concernant le PRTQ, le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec, une autre façon d'immigrer au Québec. Comme ça, quand vous aurez vu ces deux webinaires, normalement, ça n'aura plus trop de secrets pour vous. La question de la résidence permanente canadienne côté québécois. Et également, on se retrouvera, c'est un peu plus tard, mais peut-être que ça peut vous intéresser, le 25 juillet, on parlera des permis de travail au Canada avec étude d'impact sur le marché du travail. C'est cette EIMT, l'étude d'impact, c'est une démarche que parfois les employeurs ont besoin de faire pour vous embaucher avec un permis de travail classique, pas comme le PVT par exemple, mais vous verrez ça le 25 juillet. Je vous rappelle également que sur pvtis.net, on vous propose des ateliers en petits groupes en visio avec ma collègue Marie pour ceux qui partent prochainement en PVT au Canada, par exemple un mois ou un mois et demi avant votre départ. Ça vous permet de poser toutes vos questions sur l'avant-départ et puis sur les premiers jours, comment ça se passe quand on arrive, qu'on valide son PVT, tout ça. Donc, n'hésitez pas à regarder de temps en temps notre article événement PVTIS 2023. Vous retrouverez les prochaines dates et cet article est mis à jour toutes les semaines. Pour ceux qui vont à Montréal, on a aussi des rencontres PVTIS dans des bars qui sont faites assez régulièrement. Ça vous permet de vous rencontrer de façon informelle autour d'un verre et puis peut-être de trouver, comme je le dis souvent, des compagnons de route, des collègues, des amis, des amoureux qui sait. Des fois, ça arrive. On a eu, à un moment donné, on a failli s'appeler mythique, PVTistique, parce qu'on a parfois des mariages, des bébés PVTis. Donc, on ne sait jamais. Ça vaut le coup d'aller à ce genre de rencontre. Évidemment, ça ne finit pas toujours comme ça, mais en tout cas, c'est dans la bonne ambiance, vous avez la possibilité de voir des gens qui vivent la même chose que vous et qui peuvent un petit peu vous rassurer si vous venez d'arriver ou vous donner des bons plans, des conseils. Sur PVTiste, on a plein de choses, des tutoriels, des dossiers, des témoignages, des articles, on a un forum de discussion, on a des offres d'emploi, on a une CV Tech dans laquelle vous pouvez mettre votre CV, on a une newsletter dédiée au Canada qui vous permet de recevoir un email quand il y a quelque chose d'important, on a des bons plans sur vos billets d'avion, votre banque, votre opérateur téléphonique, vos locations de voitures, etc. Et notamment, vous pouvez bénéficier dans le cabinet de Nadia Barrou de 20 $ de réduction sur les consultations que vous pouvez faire avec leur équipe. Si à un moment donné, vous avez besoin d'être un petit peu guidé, si vous êtes perdu dans vos démarches, sur la meilleure stratégie à adopter si vous voulez immigrer de façon permanente au Canada, que ce soit au Québec ou ailleurs. Je vous laisse la parole à toutes les deux si vous voulez bien vous présenter. Merci Julie. Alors bonjour tout le monde, je suis Amanda Panunzio, consultante en immigration et j'ai ma collègue Claire Maillot qui est technicienne juridique en immigration. Donc aujourd'hui, comme vous le savez bien, nous allons vous présenter le programme de l'expérience québécoise, donc le PEC en cours. Alors nous sommes du bureau Nadia Barrou. Nous sommes des spécialistes en immigration, donc tout ce qui est des permis de séjour temporaire à la résidence permanente. Donc on serait là pour vous aider et vous guider dans tout ce qui concerne l'immigration. Alors, on pourrait déjà commencer le partage peut-être du PowerPoint. Ça ne sera pas bien long. Voilà, super. Et donc, à la prochaine page. Voilà. Donc, tout ce qu'on va vous partager aujourd'hui, c'est en date d'aujourd'hui. Comme vous le savez, dans le monde d'immigration, tout peut changer très rapidement. Donc, on conseille, on suggère de juste vérifier les informations à jour sur les sites du gouvernement, donc d'IRCC et du MIFI pour le provincial. Alors, juste une petite introduction sur les sujets d'aujourd'hui. Claire, si tu peux juste procéder, merci. Alors, il y a trois statuts de résident en tant que résident temporaire au Canada. Donc, il y a les travailleurs, les étudiants et les visiteurs. Et au Québec spécifiquement, il existe deux programmes d'immigration permanente. Donc, le programme de l'expérience québécoise et le programme régulier des travailleurs qualifiés. Donc, on voulait juste dire un petit point au début concernant ces deux programmes. On s'attend à avoir des grosses modifications aux deux programmes prochainement. On ne sait pas encore quand ces nouvelles
mesures ou exigences vont être en vigueur. Donc, on suggère juste être très attentif aux nouvelles en immigration. On va partager quelques changements aux deux volets pour le PEQ aujourd'hui, comme ça vous êtes au courant, mais à savoir que tout peut changer éventuellement lorsque les nouvelles mesures vont sortir. Donc, sans trop tarder, c'est ma collègue Claire qui va commencer en expliquant un peu c'est quoi le PEC et on suivra après en détail sur les deux volets pour les étudiants et les travailleurs. Bonjour à tous, merci Amanda pour ta présentation. Donc en effet, aujourd'hui on va vraiment se faire un focus sur le programme de l'expérience québécoise qui est le PEC. Donc ce programme, c'est un programme qui vous permet, lorsque vous êtes travailleur qualifié au Québec, de demander votre immigration permanente. Donc c'est un programme de sélection qui a été mis en place en 2010 et on a connu une réforme et une grosse modification de celui-ci le 22 juillet 2020. Donc aujourd'hui, on va vraiment voir les méthodes, enfin la mesure provisoire et les nouvelles conditions. Et on va juste évoquer la réforme qui vient de, on va dire, il y a un communiqué de presse qui a été mis en place. On a eu quelques petites informations, mais on ne sait vraiment pas, comme disait Amanda, quand est-ce que la réforme va sortir. Donc on va l'évoquer, mais on va vraiment vous expliquer les mesures actuelles et donc qui sont mises en place. Donc ce PEC, c'est quoi ? C'est une procédure qui vous permet de demander un CSQ, qui est un certificat de sélection du Québec. Comme vous le savez peut-être, la province du Québec est une province très exigeante en termes d'immigration. Et donc, si vous souhaitez demander votre résidence permanente au fédéral, vous devez d'abord passer par cette petite case du CSQ et notamment par le programme du PEC. Donc, pour le CSQ, comme dit tantôt, on a soit le PRTQ, soit le PEC. Et le PEC, c'est lorsque vous avez rempli toutes les conditions de recevabilité, vous pouvez déposer votre dossier et un agent d'immigration provincial va étudier votre dossier. Donc, ce n'est pas du tout comme le PRTQ qui va être sur un système de pointage. Là, vous pouvez directement aller de l'avant dès que vous remplissez les conditions d'admissibilité. Il y a peu de démarches. En fait, c'est une démarche assez simplifiée. Vous avez une liste de documents à fournir qui n'est pas non plus excessive. Et il y a peu d'exigences aussi si vous êtes accompagné d'un conjoint ou de votre époux. Il faudra, bien entendu, passer un test des valeurs et faire démontrer la connaissance du français pour l'époux ou le conjoint depuis le 21 juillet 2021. Donc, ce programme, il s'intéresse à deux grandes catégories. Soit vous êtes travailleur temporaire, soit vous êtes étudiant diplômé du Québec. Donc, le PEC a deux volets. D'abord, le volet travailleur, qui s'adresse donc là aux travailleurs étrangers temporaires, on va le voir en détail, et aux étudiants diplômés. Il faut bien sûr que le diplôme a été fait au Québec. Ça s'adresse aussi aux personnes qui sont francophones et qui ont démontré une bonne connaissance des valeurs québécoises. Ce test des valeurs, il arrive en cours de route, on va en parler aussi plus en détail juste après, et il s'adresse au requérant principal, au conjoint et aussi aux enfants à charge majeure inclus dans la demande. Il faut savoir que lorsque vous faites une demande de CSQ dans le programme du PEC, c'est une demande qui est totalement faite en ligne. Donc depuis le 26 janvier 2021, il y a une plateforme qui est dédiée qui s'appelle Arima. On vous aura mis le lien. Arima, ça va vous permettre de déposer tous vos documents et donc que votre et de payer les frais aussi et que votre demande soit examinée par un agent d'immigration. Donc, on va d'abord voir le volet diplômé. Donc, dans le PEC, comme dit tantôt, on a les diplômés et les travailleurs, et dans chaque volet, on a les mesures transitoires et les nouvelles mesures. Lorsqu'on parle de mesures transitoires, ça intervient avant la réforme de 2020, et les nouvelles mesures, c'est celles qui sont apparues après cette grosse modification qu'on a connue. Donc, tout d'abord, on va avoir les mesures transitoires qui s'adressent à toutes les personnes qui ont complété leur programme d'études avant le 31 décembre 2020. Attention toutefois, il faut avoir complété ce programme d'études avec succès. Il va falloir que lorsque vous faites votre programme d'études, vous l'ayez réussi et donc que vous êtes accepté, que vous allez être diplômé. Donc si vous l'avez été avant le 31 décembre 2020, vous avez des conditions, on va dire, un peu allégées.
Les conditions communes aux deux mesures, ça va être âgé d'au moins 18 ans, il faut que vous soyez majeur. Il faut que vous ayez respecté vos conditions à titre d'étudiant, donc respecté les conditions de votre permis d'études. Il faut que vous ayez obtenu un diplôme qui soit admissible au PEC. Donc, quand on parle de diplôme admissible au PEC, on a une liste. Il faut que ce diplôme il ait été obtenu dans les 3 dernières années. Et ça peut être soit un doctorat, une maîtrise ou un MBA. Ça peut être aussi un baccalauréat, un DEC technique ou un DEP. Le DEP, c'est un diplôme d'études professionnelles. Ce DEP, il faut qu'il soit de 1800 heures au minimum ou plus. Et si celui-ci n'est pas de 1800 heures, vous pouvez le coupler avec une ASP qui est dans la totalité, DEP plus ASP doit faire 1800 heures ou plus. 1800 heures, pour votre information, c'est environ 2 ans d'études, on peut dire ça comme ça. Il faut bien entendu que vous ayez complété votre programme d'études au minimum à moitié au Québec et que vous ayez une connaissance du français oral de niveau intermédiaire avancé et il faut le démontrer. Donc soit par un test de langue, soit par des diplômes obtenus avec des relevés de notes qui couvrent une certaine période de temps. De plus, une exigence pour demander votre CSQ, c'est de s'engager à subvenir à vos besoins, mais aussi à ceux de votre famille inclus dans la demande, durant les 3 premiers mois suivant l'obtention de la résidence permanente. Donc, c'est ce qu'on appelle le contrat d'autonomie financière, et ça va vraiment se retrouver dans toutes les demandes de CSQ, il vous faudra signer ce contrat d'autonomie financière. Enfin, il faudra obtenir l'attestation d'apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises, donc comme dit tantôt, pour vous, requérant principal, époux ou conjoint si vous l'avez inclus à votre demande, ainsi que tous vos enfants à charge de plus de 18 ans. Donc, cette attestation d'apprentissage des valeurs, en fait, vous allez être invité, après avoir soumis votre demande de CSQ sur Arima, à passer ce test. Donc, ça peut être en présentiel ou en ligne. Et vous passez ce test, vous avez un guide sur lequel vous allez pouvoir lire toutes les informations. Et c'est une sorte de QCM, vous devez regarder des vidéos, on vous pose des questions et puis vous répondez. Il faut le réussir pour pouvoir avoir ensuite l'obtention de votre CSQ. Un gros point, attention, c'est qu'il y a des candidats qui ne vont pas être éligibles au PEC diplômé, notamment ceux qui ont entrepris un nouveau programme d'études à la suite de l'obtention d'un diplôme. De plus, si vous avez eu une bourse d'études qui avait une clause de retour dans votre pays et que vous ne l'avez pas respectée, vous ne serez pas non plus éligible à ce PEC diplômé. Pourquoi ? Parce que ça voudra dire, dans le point 2, que vous n'avez pas respecté les conditions de votre séjour à titre d'étudiant. Voilà pour les mesures transitoires. Maintenant, les nouvelles mesures, celles qui sont actuellement en fait en ligne, en cours, ça va être pour toutes les personnes qui ont complété leur programme d'études avec succès après le 31 décembre 2020. Donc là, pareil, il y a des conditions communes, donc avoir 18 ans, avoir respecté les conditions de votre séjour, avoir obtenu un diplôme admissible dans les 3 dernières années, donc c'est la même liste de diplômes. Il faut que vous ayez complété votre programme d'études de moitié au Québec, avoir signé votre contrat d'autonomie financière, démontrer une bonne connaissance orale de niveau intermédiaire avancé et obtenir l'attestation d'apprentissage. Là, on va avoir 2 conditions supplémentaires, une pour le conjoint et l'époux qui devra démontrer lui aussi sa bonne connaissance du français. Et là, c'est quand même un gros point. Il va falloir démontrer qu'au cours des 24 derniers mois, après l'obtention de votre diplôme, que vous avez eu une expérience de travail au Québec. Donc, cette expérience de travail, si vous avez reçu un diplôme qui est admissible de niveau universitaire ou collégial, ça va être une expérience de travail à démontrer de 12 mois. Donc, cette expérience de travail, elle doit être dans un emploi qualifié. Tous les emplois au Québec sont classés avec un numéro. Vous pouvez trouver ça, ça s'appelle la CNP, c'est le Code national des professions. Et donc, chaque profession au Québec a un numéro. Il faut aller voir votre numéro de la profession, de l'emploi sur lequel vous êtes et regarder s'il est qualifié. S'il est qualifié, c'est la catégorie 0 A ou B. Il faut savoir qu'il y a eu une réforme de la CNP et que désormais on parle de FEER, F-E-E-R, et c'est un code où lorsque c'est qualifié, c'est 0, 1, 2 ou 3. On refera un petit focus là-dessus tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous avez un diplôme universitaire ou collégial, vous devez démontrer une expérience de travail de 12 mois après l'obtention de votre diplôme
Et si votre diplôme est admissible au niveau professionnel, il faudra là démontrer non pas 12, mais 18 mois d'expérience de travail qualifiée. Et il est aussi accepté les emplois non qualifiés si celui-ci est en lien avec votre diplôme. Une autre condition, c'est lorsque vous allez demander votre CSQ, il faut être à l'emploi au moment du dépôt de la demande. Elle a aussi un gros focus, c'est que tout le travail que vous avez effectué, qu'il soit à temps plein ou temps partiel, il ne pourra pas être pris en compte si celui-ci a été effectué lors de votre programme d'études. Si vous avez travaillé avec votre permis d'études, cette expérience de travail pour le PEC diplômé ne sera pas prise en compte. C'est uniquement lorsque vous avez reçu votre diplôme que là, on démarre le comptage de l'expérience de travail. Pour ce qui est du volet travailleur désormais, donc, comme les diplômés, on a les mesures transitoires, les nouvelles mesures. Et donc, pour l'expérience québécoise volet travailleur, on a une mesure transitoire qui s'adresse à tous ceux qui avaient un permis valide ou qui étaient autorisés légalement à travailler et qui étaient au Québec avant le 22 juillet 2020. Donc là, il faut être âgé de 18 ans, avoir légalement été présent au Québec à titre de travailleur étranger temporaire ou dans le cadre d'un programme d'études. Il faut avoir, bien sûr, là, occupé un emploi qui est admissible au PEC. Donc, comme dit tantôt, on a qualifié et non qualifié. Avant le 22 juillet 2020, on avait toutes les professions qui étaient comptabilisées, que l'emploi soit qualifié ou non. Et donc là, il fallait démontrer une expérience de travail de 12 mois au cours des 24 derniers mois, donc un an de travail sur les deux dernières années, que l'emploi soit qualifié ou non. Il a fallu aussi respecter les conditions de votre séjour, évidemment, démontrer votre connaissance du français sur un niveau intermédiaire avancé, c'est l'équivalent d'un niveau 7, signer bien sûr le contrat d'autonomie financière et obtenir l'attestation d'apprentissage des valeurs. Pour les conditions actuelles qui sont en vigueur pour toutes les personnes qui ont obtenu un permis de travail le 22 juillet 2020 ou après, ici, il y a quand même un gros changement, c'est un peu un alourdissement des conditions. On va retrouver les mêmes conditions d'avoir 18 ans, être présent au Québec à titre de travailleur étranger temporaire ou dans le cadre d'un programme d'échange jeunesse, avoir respecté les conditions de votre séjour, avoir démontré une connaissance du français, s'engager à signer le contrat d'autonomie financière et obtenir l'attestation des valeurs. Mais ici, on ne va plus avoir à démontrer 12 mois de travail dans quelle que soit la catégorie. Mais ici, il va falloir démontrer 24 mois de travail sur les 36 derniers mois. Donc avant, c'était un an de travail sur les 2 ans. Maintenant, c'est 2 ans de travail sur les 3 dernières années. Et en plus de ça, il va falloir que votre emploi soit qualifié. Donc qu'il soit de la catégorie CNP 0 A ou B ou FER 0, 1, 2 ou 3. Donc ici, ça va être vraiment comme un alourdissement des conditions parce que là, on est en conférence PVTiste, donc la plupart des personnes qui nous écoutent ont un PVT ou vont avoir un PVT. Or, vous pourriez vous dire que le PVT est de 2 ans, donc il est quasiment impossible d'avoir les 24 mois de travail afin de pouvoir déposer votre programme de l'expérience québécoise. On rappelle juste ici que lorsque vous faites une demande de PVT, c'est un permis de travail temporaire. Donc, votre intention est temporaire et n'est pas permanente. Donc c'est comme ça que se justifie en fait le gouvernement provincial, c'est que lorsque vous demandez votre catégorie permanente, là vous avez votre intention qui change, donc en fait l'intention du PVT et l'intention du CSQ n'est pas la même. Juste pour faire une parenthèse, comme l'a dit Amanda tantôt, on a eu un communiqué de presse qui affirme qu'on va avoir un changement, une nouvelle modification du programme d'immigration permanente au Québec. Donc, on a quelques informations, mais on est très incertain de la date d'entrée en vigueur de ces changements, de si ces changements vont rester ceux qui ont été exprimés lors du communiqué de presse. Donc, si vous faites en ce moment la préparation de votre dossier pour demander votre CSQ, référez-vous vraiment à ce qu'on dit aujourd'hui et pas à ce qui va être dit potentiellement dans l'avenir, car on a vraiment peu de visibilité. Juste un pop-up comme ça pour vous mettre à jour. On va avoir quand même un gros changement au niveau des diplômés. En effet, on va devoir, là, démontrer que le diplôme a été effectué entièrement en français. L'exigence n'était pas inclue dans les conditions actuelles,
mais désormais, il faudra que le diplôme soit directement et entièrement fait en français. Il faudra aussi démontrer donc, votre français oral, mais aussi écrit. Donc, l'oral sera toujours de niveau 7. Et il faudra aussi démontrer le niveau 5 à l'écrit. Donc, c'est quand même des conditions en plus. Mais on a quand même une grosse condition supplémentaire qui va être enlevée. C'est qu'on n'aura plus besoin, apparemment, de démontrer l'expérience de travail de 12 mois. Donc, ça permettrait d'aller de l'avant directement après l'obtention de votre diplôme, si celui-ci est admissible au PEC, qu'il a été fait en français et que vous pouvez démontrer votre niveau 7 à l'oral et 5 à l'écrit, directement aller de l'avant sans avoir 12 mois d'expérience de travail. Pour le volet travailleur, là, on va avoir beaucoup moins de changements. On va rester quand même sur les 24 mois de travail sur les 36 derniers mois, toujours pour les emplois qualifiés. Donc voilà pour les deux volets, diplômés et travailleurs, avec à chaque fois les mesures transitoires et les nouvelles mesures. Désormais, Amanda, je vais te laisser la parole pour qu'on fasse un petit focus sur les types d'emplois admissibles au PEC. Oui, merci Claire. Donc voilà, maintenant on va parler des emplois admissibles dans les volets des diplômés et des travailleurs dans le programme de l'expérience québécoise. Ces exigences sont les exigences actuelles pour le PEC qui est en vigueur en ce moment. Alors pour le volet des diplômés, il faut évidemment occuper un emploi au Québec et vous devez être salarié, donc le travail en tant que travailleur autonome, si vous êtes propriétaire de votre entreprise, malheureusement, ça ne comptera pas comme une expérience de travail. Il y a la prise en compte du stage obligatoire au programme d'études rémunérées, puis ou financièrement compensé ou non rémunéré. Qui doit être effectué à temps partiel ou à temps plein. Et par contre, c'est très important, un permis de stage doit avoir été émis pour que ce stage soit pris en compte dans votre expérience de travail. Et c'est une durée de 3 mois au maximum qui pourrait être pris en compte. Aussi, ça doit être normalement un emploi qualifié de catégorie 0, A ou B, ou bien avec le nouveau code FER, donc niveau 0, 1, 2, 3, ou bien de la catégorie C, du code CNP, lorsque le poste est en lien avec le programme d'études pour les diplômés de DEP ou d'un DEP suivi d'une ASP. Pour le volet des travailleurs étrangers temporaires, alors encore, c'est toujours un emploi qui doit être effectué qui doit être occupé au Québec seulement. C'est du travail salarié obligatoirement, donc pas de travail autonome qui sera pris en compte non plus. Les expériences de travail acquises dans le cadre d'un permis stage coop international, donc via le programme EIC ou d'un stage en emploi qui n'est pas lié à un programme d'études au Québec, peut être pris en compte si elles répondent à toutes les exigences du PEC. Aussi, c'est du travail à temps plein uniquement, aucun emploi à temps partiel n'est pris en compte dans le programme et ça doit être un poste qualifié et, obligatoirement, donc pas de code C ou D, vraiment niveau 0, A ou B. Aussi à noter que le travail à temps partiel ou à temps plein effectué pendant les études ne sera pas pris en considération. Les emplois occupés en statut implicite sont considérés par le MIFI, et les congés maternité et paternité peuvent être pris en compte par le MIFI s'il y a toujours une conservation un lien avec l'employeur pendant cette période-là. Maintenant, on va juste voir les différentes options de documents concernant la preuve, l'exigence de la connaissance de la langue française dans cette demande de CSQ. Donc, pour les volets diplômés et le volet des travailleurs, il faut fournir des preuves que vous connaissez pour pouvoir démontrer votre connaissance de cette langue. Alors, pour le diplômé, le programme des diplômés, il faut avoir complété le programme, avoir un diplôme qui est admissible au PEC. C'est vraiment pour les diplômés uniquement. Il y a aussi l'option d'avoir réussi au moins 3 années d'études en français et à temps plein au secondaire et au post-secondaire.
Donc, avec ça, vous pouvez fournir des relevés de notes qui démontrent bien que vous avez complété tout le programme en français uniquement. Vous pouvez aussi avoir réussi au Québec un cours de français d'un niveau intermédiaire avancé dans un établissement reconnu par le ministère de l'Éducation avant le 21 juillet 2020 ou avoir été inscrit ou sur le point de compléter ce cours avant le 21 juillet 2020. Ou bien, comme d'habitude, normalement, les candidats vont fournir un test de langue, par exemple, le TEF Québec, donc le TEFAC, le TEF Québec et le TEF Canada. Il y a différents examens qui sont pris en compte normalement, mais normalement, c'est le TEF Québec qui est souvent complété par les candidats. Ou bien, la dernière option, c'est d'avoir satisfait aux exigences linguistiques d'un ordre professionnel. Voilà, donc maintenant, comme ma collègue avait abordé, depuis le 1er janvier 2020, c'est les époux, les conjoints de fait et les enfants à charge de 18 ans et plus doivent compléter le test des valeurs pour la demande de CSQ. Donc, vous avez réellement deux choix. Donc, soit avant de présenter la demande de CSQ, vous assistez à une session d'objectifs d'intégration au Québec, ou bien après la soumission de votre demande de CSQ et sur invitation du MIFI, vous pouvez soit passer le test des valeurs en ligne ou bien assister à une séance d'objectifs intégration dans un délai de 60 jours après la réception de cette invitation. Normalement, la validité de l'examen, une fois le résultat reçu, est valide pendant 2 ans. Donc, si jamais en cas de refus d'un CSQ, vous pouvez utiliser la même attestation pour votre deuxième demande. Et à la prochaine page, voilà, on a un aperçu de toutes les étapes de la demande de CSQ, puis jusqu'à la résidence permanente. Donc, la première étape, c'est la demande de CSQ auprès du MIFI qui se dépose via ARIMA, que ce soit via le programme de l'expérience québécoise ou le programme PRTQ. Ensuite, vous recevrez l'accusé de réception de la demande et le reçu de paiement quelques minutes après le dépôt. Vous serez ensuite invité à obtenir l'attestation des valeurs. Donc, normalement, c'est entre 1 à 6 semaines suivant le dépôt de la demande de CSQ. Et si tout se passe bien, vous savez, en termes de délai, on ne peut jamais garantir quand vous allez recevoir votre CSQ, la décision finale, mais normalement, c'est dans les 6 mois. Puis par la suite, une fois le CSQ approuvé, vous pourriez déposer votre demande de résidence permanente sous le programme des travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Et c'est depuis le mois de septembre 2022 que ces demandes doivent être envoyées en ligne via le nouveau portail de résidence permanente. Les délais pour la demande de résidence permanente sont très variables. On sait que les délais affichés sur le site du gouvernement sont de 20 mois à ce jour, mais à savoir qu'on a entendu que plusieurs candidats ont reçu leur résidence permanente dans quelques mois. Donc, voilà pour ce qui est des délais. Voilà, donc Claire, je te laisse la parole pour tout ce qui est résidence permanente après l'obtention du CSQ. Merci Amanda. Alors, comme on a dit, pour accéder à la résidence permanente, donc c'est une demande qui va être faite en ligne et au niveau fédéral, il aura fallu que vous ayez votre CSQ. Une fois que vous avez votre CSQ approuvé, là, vous serez donc éligible à aller de l'avant et donc demander votre résidence permanente au niveau fédéral. Il faut savoir que lorsque vous avez votre CSQ, la catégorie dans laquelle vous allez être admissible pour demander votre résidence permanente, ça s'appelle le résidence permanente volet travailleur qualifié sélectionné par le Québec. Dans le jargon, on l'appelle TQQ, travailleur qualifié sélectionné par le Québec. Et il est assez important que vous choisissiez la bonne catégorie. Donc, quand vous avez un CSQ, sachez que qu'il soit diplômé ou travailleur, celui-ci va vous donner la possibilité d'aller de l'avant pour la résidence permanente au titre de travailleur qualifié sélectionné par le Québec.
Je souligne ça parce que maintenant, sur le portail en ligne, lorsque vous sélectionnez votre catégorie, vous allez avoir une liste personnalisée de formulaires qui va apparaître. Et donc, si vous sélectionnez la mauvaise catégorie, il se peut que vous n'ayez pas les documents qui soient correspondants à votre demande, ce qui pourrait entraîner le refus ou le retour de votre demande. Donc, cette soumission de demande de résidence permanente, elle doit être faite par le requérant principal du CSQ. Donc, vous pouvez tout à fait joindre à votre CSQ votre conjoint ou votre conjoint de fait ou votre époux-épouse ou elle, et vos enfants. Mais lorsque vous allez demander votre résidence permanente, ça doit être aussi au nom du requérant principal du CSQ, en incluant après, bien sûr, votre famille. Donc, il y a vraiment, comme disait Amanda, un portail dédié qui s'appelle le portail de résidence permanente en ligne. Et donc là, vous remplirez toutes vos informations directement sur le portail. Pour la résidence permanente, le gouvernement canadien, ici, va non pas étudier, par exemple, vos diplômes, votre connaissance du français ou votre expérience de travail, comme l'a fait le gouvernement provincial, mais véritablement va travailler sur des questions statutaires, c'est-à-dire les examens médicaux, les contrôles de sécurité et la véracité de vos propos. Donc, lorsque vous allez faire votre demande de résidence permanente, en ayant sélectionné votre volet et en étant le requérant principal de votre demande, vous allez obligatoirement joindre la copie du CSQ que vous avez obtenu. Sur votre CSQ, quand vous allez l'obtenir, bien regarder et lire toute la page en entier, vous allez avoir une période de validité. Le plus souvent, la validité d'un CSQ, c'est environ 24 mois, donc 2 ans. Donc, à l'obtention de votre CSQ, vous aurez 2 ans pour présenter votre demande de résidence permanente. Faites bien attention à la date d'échéance. Il faudra déposer votre demande de résidence permanente avant la date d'échéance de votre CSQ. Si celui-ci n'est plus valide, vous devrez recommencer et redemander un CSQ. Ensuite, il va falloir, comme je viens de le dire, fournir, on va dire, vos antécédents. C'est pour les contrôles de sécurité. Et donc, il va falloir fournir votre certificat de police de votre pays de nationalité. Pour les Français, c'est le bulletin B. Donc, vous allez faire une demande en ligne. C'est assez rapide. Pour d'autres pays, ça va être une procédure un petit peu plus compliquée. Vous pouvez notamment vous déplacer en présentiel. Donc, il faut bien préparer vos documents à l'avance pour pouvoir faire votre demande de résidence permanente. On souligne le fait que le bulletin de police doit être valide au moment de l'envoi, c'est-à-dire que si vous faites votre demande de certificat de police, mais que vous traînez un petit peu à faire votre demande de résidence permanente, au moment du dépôt de votre soumission de résidence permanente, il faut que votre certificat de police soit encore valide. Donc, soit vous avez une date d'expiration indiquée sur le certificat de police directement, soit vous pouvez compter, s'il n'y a pas de date d'expiration, une validité de 6 mois. C'est la norme, c'est une fois le certificat de police délivré, vous avez 6 mois de validité. Sinon, il faudra le redemander. De plus, il faudra soumettre le certificat de police de nationalité, donc pour vous, requérant principal, mais aussi pour les membres de votre famille. Et il faudra aussi fournir les certificats de police pour toutes les destinations où vous avez vécu plus de 6 mois. Donc, si vous avez fait un stage, une expérience de travail, quoi que ce soit ailleurs ou un autre PVT, par exemple, dans un autre pays, pour plus de 6 mois, il faudra vous rapprocher du gouvernement du pays en question et demander le certificat de police qui doit donc être téléversé à votre demande de résidence permanente. Une petite parenthèse aussi, c'est que vous n'avez pas à fournir votre certificat de police du Canada. Donc, si vous êtes ici, même si ça fait plus de 6 mois, vous n'avez pas à fournir le certificat de police du Canada. Ils connaissent vos antécédents. Ensuite, sur les examens médicaux, là, ça va être une visite médicale qui va devoir être faite. Donc, c'est une visite médicale pas chez n'importe quel médecin, c'est vraiment auprès d'un médecin désigné. Donc, IRCC a une liste de médecins désignés. Il faudra aller voir cette liste et prendre rendez-vous avec un médecin. Vous pouvez effectuer, en fait, cette visite médicale sur invitation, c'est-à-dire que lorsque vous allez présenter votre demande de résidence permanente en cours de traitement, vous allez recevoir une invitation à passer la visite médicale. Et donc là, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec un médecin désigné et passer cette visite médicale. Cette visite, c'est pour le requérant principal, mais aussi pour toutes les personnes accompagnantes à votre demande. Donc, comme disait Amanda, les délais sont assez fluctuants. Actuellement, aujourd'hui, ils sont de 20 mois, mais demain, ils vont potentiellement changer. On a préparé cette présentation il y a quelques jours et les délais étaient de 24 mois. Donc, on peut considérer entre 20 et 24 mois les délais de traitement pour une résidence permanente. Donc, c'est quand même assez long.
Donc, c'est pour ça qu'on va désormais passer à la conservation du statut. C'est que si vous avez présenté votre demande de CSQ, que vous êtes éligible à déposer votre demande de résidence permanente, il se peut que votre permis de travail arrive à échéance. Donc, pour cela, si vous souhaitez rester, bien sûr, sur le sol canadien et québécois, vous devez prolonger votre statut pour garder un statut valide au Canada. Une première possibilité pour vous, c'est lorsque vous avez votre CSQ, vous êtes, on peut dire, un peu privilégié et vous pouvez demander ce qu'on appelle un permis de travail sur dispense. Comme l'a énoncé Julie au tout début de l'introduction, il y a certains permis de travail qui doivent avoir une grosse procédure avec les employeurs qui s'appelle l'EIMT-CAQ, qui est une étude d'impact sur le marché du travail avec certificat d'acceptation du Québec. C'est un nom très compliqué pour une demande assez compliquée et les employeurs sont assez frileux à faire cette démarche qui sont très coûteuses et en temps et en argent. Lorsque vous êtes sélectionné par le Québec, ça veut dire que vous avez passé soit un diplôme, soit une expérience de travail, et donc vous êtes admissible à demander votre résidence permanente au Québec, vous allez pouvoir demander un permis de travail donc sous dispense, donc plus besoin de cette EIMT-CAQ, vous pouvez directement demander un autre permis de travail qui s'appelle le permis A73. Donc ça, c'est uniquement pour les détenteurs de CSQ et pour le requérant principal du CSQ. Les membres de votre famille ne pourront pas demander l'éligibilité à ce permis sur dispense. Donc ça, c'est assez, c'est une bonne précision à faire. C'est la personne titulaire du CSQ en tant que requérant principal pourra demander un permis sur dispense. Donc ce permis A73, dans le détail, en fait, il est disponible pour les personnes qui souhaitent poursuivre leur emploi en attendant leur résidence permanente ou changer notamment d'emploi ou d'employeur. Ce permis de travail, il va être fermé, donc c'est en lien toujours avec un employeur, que ce soit le vôtre actuellement ou un nouveau, et il aura une durée maximale de 2 ans. Ce permis de travail s'adresse aux personnes qui sont au Québec, donc il faut résider au Québec, il faut qu'ils aient donc leur CSQ en tant que requérant principal, et il faut aussi qu'ils aient une offre d'emploi au Québec. Donc ça, c'est une démarche qui doit être faite par l'employeur sur un portail dédié qui s'appelle le portail des employeurs. Et c'est une procédure assez légère. Donc en fait, l'employeur va créer un compte sur ce portail des employeurs, va demander une offre d'emploi. En fait, il va soumettre une offre d'emploi sur ce portail. C'est un questionnaire à remplir. Donc là, il va indiquer toutes les modalités de l'offre d'emploi. Et une fois que cette offre d'emploi est remplie, il devra la soumettre. Cette soumission, elle est liée au paiement de frais de conformité d'emploi qui sont de 230 $. Donc, ces 230 $, ils devront être payés par la carte de l'employeur. Ce n'est pas vous qui pouvez prendre en charge ces frais. Ça, c'est aussi assez important à souligner. Donc, c'est une procédure qui va être faite à deux têtes. D'abord, l'employeur qui dépose une offre d'emploi sur le portail des employeurs et qui paye les 230 $. Suite à ça, vous allez recevoir un reçu de paiement et un numéro d'offre d'emploi. Et vous, de votre côté, vous allez pouvoir demander ce permis de travail A73 avec le reçu de paiement et le numéro d'offre d'emploi et directement aller de l'avant avec ça. Ici, ce qui est important, c'est que si vous souhaitez conserver votre statut, il va falloir faire cette demande de A73 avant l'expiration de votre statut pour pouvoir continuer à travailler et maintenir le lien d'emploi. Si toutefois, vous avez laissé passer l'expiration de votre permis, alors vous pouvez quand même être éligible à déposer un permis sur dispense A73. Donc, c'est en rétablissement. Ça signifie dans les 90 jours, environ 3 mois, après l'expiration de votre permis, vous êtes toujours recevable à déposer une demande de permis de travail sur dispense A73. À savoir quand même que si vous dépassez le délai de votre permis de travail, là, vous ne serez plus autorisé à continuer de travailler. Il faudra vous arrêter de travailler et attendre la réception du permis de travail A73 pour pouvoir travailler. Une autre dispense qui a été mise en place depuis le 31 août 2021, toujours pour les titulaires de CSQ, ceux qui sont allés de l'avant avec la résidence permanente et la demande est en cours de traitement. Donc ça, c'est une subtilité quand même à souligner. Quand vous déposez votre demande sur le portail de résidence permanente, vous allez recevoir un courriel automatique qui vous indique que IRCC a bien reçu votre
demande, mais lorsque la demande va être véritablement en traitement, donc elle va arriver dans les mains d'un agent, là, vous allez recevoir un deuxième accusé de réception. Cet accusé de réception, il sera personnalisé, il sera indiqué un numéro de demande qui commencera par EP. Et donc, avec ce numéro, ça signifie que votre demande est véritablement en cours de traitement. Si vous êtes titulaire de votre CSQ et que vous avez reçu votre accusé de réception définitif, là, vous êtes admissible à ce qu'on appelle un permis de travail ouvert transitoire, qui est un permis de travail sur dispense de IMT qui, elle, s'appelle A75 et vous permettra d'avoir un permis de travail ouvert durant tout le traitement de votre résidence permanente. Et donc, attendre, en fait, la décision pour votre résidence permanente avec un permis de travail ouvert, ce qui est assez avantageux. Il faut, au moment de votre demande, que vous soyez un travailleur légalement autorisé. Ça, c'est assez important. Si vous êtes en visiteur, vous ne pourrez pas demander ce permis de travail ouvert. Gros attention, il faut faire ces demandes en ligne. Que ce soit le permis A73 ou le permis PTOT A75, il n'y a pas de tour du poteau possible. Vous ne pouvez pas avoir vos documents et passer à la frontière terrestre ou aérienne pour demander ce permis. Il vous sera refusé. Donc, bien présenter ces demandes en ligne et exclusivement en ligne. Donc, à la fin de cette présentation, on vous a mis quelques liens utiles que Julie vous partagera. Donc, on vous a mis les liens pour le programme de l'expérience québécoise avec et le volet diplômé et le volet travailleur. Sur les sites qu'on vous a donnés, il va y avoir la liste de toutes les conditions de recevabilité comme ce qu'on a partagé avec notre PowerPoint. Et on vous a aussi mis les liens pour les permis de travail, donc le PTOT qui est la dispense A75 qui est un permis ouvert et le permis de travail fermé sur dispense de IMT, code de dispense A73. Donc la résidence permanente TQQ, on vous a aussi mis le lien pour que vous puissiez avoir des connaissances. Et je vais laisser la parole à Amanda pour le mot de la fin. Merci Claire. Donc voilà la présentation sur le PEC. C'est sûr que là aujourd'hui, on a vraiment concentré sur le PEC qui est en vigueur en ce moment car tous les changements à venir ne sont pas encore sûrs. Donc bien qu'on a déjà reçu un projet des changements à venir, tout est sujet à changement. Donc, c'est très important de rester attentif aux nouvelles, au PEC et au PRTQ également. Je pense qu'il y a une présentation qui est spécifiquement sur le PRTQ dans quelques semaines aussi avec PVTIS. Donc, vous allez avoir tous les détails sur ce programme également bientôt. Sans trop tarder, je pense qu'on pourrait déjà répondre aux questions, Julie. Oui, tout à fait. Alors, je vais enlever le PowerPoint, effectivement. On va nous remettre toutes les trois à côté comme ça. Donc, le prochain webinaire qu'on va faire ensemble, donc on le disait en introduction, mais c'est bien de le répéter, ce sera le 27 juin à 18h au même endroit qu'aujourd'hui. Et on parlera effectivement du PRTQ qui viendra un petit peu compléter ce qui a été dit aujourd'hui pour ceux qui veulent toutes les techniques pour immigrer de façon permanente au Québec. Et je vois que quelqu'un a demandé en commentaire hein, quand est-ce que les changements que vous avez évoqués aujourd'hui seront appliqués. On est vraiment dans le flou, là. C'est très récent. Vous l'avez dit plusieurs fois. C'est vrai que il faut attendre. Donc, évidemment, quand il y aura de l'information, on partagera tout ça, autant sur les réseaux sociaux de l'équipe de Nadia Barou que c'est sur les réseaux de PVTIST. Donc, suivez-nous, comme ça, vous ne manquerez rien. Alors, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Quelqu'un nous a demandé, je suis éligible si j'ai fait mon diplôme d'expertise comptable en anglais? Alors, oui, normalement, mais il faut fournir les preuves des tests de langue ou que vous avez étudié dans le passé, 3 ans en français. Donc, d'accord. Il y a toujours ce critère-là de fournir ces documents pour la langue française. Très bien. Merci. Pour un DEP secrétariat plus ASP médical, c'est 18 mois toujours. J'espère que vous comprenez la question parce que moi, je n'étais pas sûre. Alors, pour les étudiants. C'est ça, pour le programme du PEC, si vous êtes dans le volet étudiant et que vous avez fait un DEP et une ASP, si celle-ci comporte plus de 1800 heures, déjà vous êtes admissible au PEC. Si ça fera moins de 1800 heures, vous ne serez pas admissible à ce programme du PEC volet diplômé. Et lorsque c'est un diplôme professionnel, il faudra démontrer 18 mois de travail qualifié ou non qualifié si c'est en lien avec la profession que vous souhaitez faire et en lien avec votre diplôme. Très bien, merci.
On nous dit pour un DESS en gestion de ressources humaines, il faut avoir un permis de travail post-diplôme valable 12 mois et on doit avoir un travail de 24 mois dans n'importe quel domaine. Alors, le DESS n'est pas un diplôme admissible pour le volet diplômé. Donc, il faudrait passer au volet travailleur. Donc, en ce moment, il faut toujours les 24 mois de travail qualifiés. Donc là, si la candidate a un permis de travail post-diplôme d'un an, il va falloir le prolonger pour pouvoir acquérir les 2 ans d'expérience de travail. D'accord. N'importe quel domaine, mais qualifié. C'est ça. Exactement. Exact. Dans le cadre du volet travailleur pour la prof de français, est-ce qu'on doit fournir 3 années d'études secondaires d'affilée ou est-ce que ça peut être 3 années d'études même si elles ne se suivent pas? Alors, c'est tout à fait possible que ça ne se suive pas. Par contre, il va vraiment falloir que ça recouvre 3 années. Par exemple, si vous souhaitez faire valoir votre expérience au lycée, vous avez 3 trimestres et donc il faudra prouver les 3 trimestres. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 par les relevés de notes. Et si vous êtes dans les études, on va dire universitaires ou postsecondaires et que c'est plus des semestres, il faudra avoir le relevé du semestre 1 et le relevé du semestre 2. Donc, c'est vraiment toutes les années sur 3 ans qu'il faudra prouver, mais elles peuvent être discontinues. Super, merci. Quelle est la définition précise d'emploi au Québec? Par exemple, l'employeur doit-il être de droit québécois, cotisation RRQ, RQAP? Quelqu'un de Calais sur le sujet. L'emploi doit-il se situer au Québec? Par exemple, employeur ontarien. Et quid si l'entreprise québécoise est québécoise, mais légalement pas un emploi, comme un VIE? Bon, il y a beaucoup de questions en gros. À partir de quand c'est un emploi au Québec, du coup? Alors, normalement, il faut être physiquement au Québec pour. Le poste doit être physiquement au Québec. Maintenant, il y a des situations où un employeur en Ontario va demander à ce que son employé travaille au Québec, pas justement juste en télétravail, mais parce qu'il y a une raison. Un motif important, disons, qui soit au Québec pour effectuer le travail. Donc, disons, dans le cas du télétravail, ça ne fonctionnerait pas. Il faut avoir vraiment une raison pourquoi l'employé est au Québec. C'est pour des clients de l'entreprise. Donc, c'est un cas particulier et c'est à vérifier. Il faut évaluer la situation du client. Vu que c'est un cas très spécifique. D'accord, merci. Et pour le VIE, bah, pour le coup, même si le VIE, c'est une entreprise française qui est implantée au Québec, en l'occurrence, ça fonctionne, c'est de l'expérience au Québec. Normalement, c'est un poste qui est occupé au Québec. Ouais. Donc, normalement, c'est une façon de pouvoir acquérir les années d'expérience au Québec. Si vous avez un permis, normalement, le VIE peut aller jusqu'à 2 ans. Oui. Si c'est effectué au Québec, oui. Super. Je termine un bac par cumul, mais j'aimerais ensuite faire un deuxième bac. Alors, je sais pas si c'est au Québec, je pense que c'est tout au Québec. Est-ce que je dois faire une demande de PEC et passer en permis post-diplôme sans pouvoir m'inscrire à l'autre bac? Alors, une des conditions pour être admissible au PEC diplômé, c'est véritablement avoir complété votre programme d'études et ne pas avoir repris d'autres études. Donc, si jamais vous faites un deuxième bac, vous ne serez pas admissible au PEC diplômé. Par contre, si vous faites votre deuxième bac et que vous demandez votre permis de travail post-diplôme, là, vous pourriez acquérir votre expérience de travail et potentiellement passer dans le volet du travailleur. Ça, parfait. Je termine. Non, ça, c'est la même question. Pardon, je l'ai noté 2 fois. Donc là, je vais aller regarder parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés dès qu'on a terminé. Alors, pour le PEC diplômé, est-ce que les notes d'un diplôme éligible fait en français au Québec suffisent ou est-ce qu'il faut passer un test? Les relevés de notes du programme d'études suffisent pour cette section-là. Impeccable. Alors là, c'est une question qui est hors PEC, donc je ne vais pas la poser. Pour le test de langue, vu que j'ai fait un programme en anglais, je dois faire les épreuves orales et écrites pour le test de langue ou juste l'oral? Alors, actuellement, les tests de langue, là, sont demandés uniquement pour le français oral, donc une bonne connaissance de niveau intermédiaire avancé, ce qui équivaut à un niveau 7. Or, on a vu dans le communiqué de presse que potentiellement, pour le PEC diplômé, il faudra démontrer aussi une connaissance du français de niveau 5 à l'écrit. Donc, on conseille, lorsque vous passez un test, de potentiellement faire toutes les catégories. Comme ça, au moins, ça vous donnera la totalité de votre niveau. Super.
Je suis avocat marocain, je suis étudiant à l'école du barreau, j'ai juste fait des cours d'actualisation en droit, 45 crédits avec les préparatoires et formations professionnelles. Est-ce que je suis éligible? Bonne question. C'est quoi exactement le diplôme? Est-ce que c'est un certificat? Des cours d'actualisation en droit, 45 crédits, j'imagine que c'est pour avoir la sorte d'équivalence, mais je ne Ben, sais pas. normalement, pour le volet diplômé spécifiquement, je vais vous donner les diplômes exacts. Alors, il faut soit le baccalauréat, la maîtrise, le doctorat, le DEC, le DEP de 1800 heures ou un DEP suivi d'une ASP de 1800 heures. Ce sont les diplômes admissibles pour le volet diplômé du PEC. D'accord, donc s'il n'a pas fait une de ces choses-là, ça passe pas. Ok. Exact. Si je passe un diplôme en France qui est dans une bonne catégorie et que je n'ai pas d'expérience de travail, est-ce que je peux faire ma résidence permanente? Alors là, pour le coup, c'est sans être au Canada, je suppose. Non, ça ne va pas fonctionner. Oui, non, Oui. pour le PEC, c'est ça. Oui. Très bien, ça c'est parfait. Petite question pour la possible réforme du PEC diplômé et la connaissance du français. Est-ce que les notes d'un diplôme réalisé en français dans un pays francophone peuvent être a priori envoyées? Alors, comme la question l'annonce, c'est vraiment, on n'a pas encore les directives officielles. Donc, comme disait Julie, vraiment regardez nos réseaux sociaux et les réseaux de PVTIS. Dès qu'on a des nouvelles, c'est sûr que ça va être publié. Actuellement, c'est possible de prouver son expérience de français avec les relevés de notes. Donc, pour l'instant, je vous dis oui, mais on verra plus tard pour la possible réforme. Ok, impeccable. Et puis c'est vrai que dans ce qui a été annoncé, peut-être que tout va passer, peut-être seulement la moitié. Enfin, ce qui est annoncé pour le moment, il ne faut pas forcément compter dessus. C'est bien ça. Hein. Ok. Exact. Est-ce qu'il est nécessaire de rester au Québec en attente du CSQ ou est-ce qu'il est possible de voyager ailleurs au Canada? Il est possible de voyager. On n'est pas forcément forcé de rester ici au Québec. Cependant, au dépôt de la demande, il faut être, dépendamment du volet, il faut être au Québec. Et normalement, pour le volet travailleur, à l'emploi également. Donc, c'est très important à retenir. Donc, oui, les voyages pendant le traitement, c'est correct. Très bien. Quelqu'un nous demande, quand on est travailleur dans la catégorie 5, donc 4 et 5, le FER 4 et 5, du coup, on n'est pas considéré comme un emploi qualifié. Est-ce qu'on est éligible à la résidence? Vous l'avez expliqué, mais je repose quand même les questions pour que ce soit bien clair. Alors, quand on va être travailleur de niveau non qualifié, donc dans les catégories hors 0AB ou 0123, dans le PEC volet travailleur, vous ne serez pas éligible, votre expérience de travail ne pourra pas être comptée. Par contre, si vous avez obtenu un diplôme au Québec et que vous êtes sur un DEP, par exemple, donc un niveau professionnel, vous pourriez faire valoir votre expérience de travail non qualifiée, si celle-ci est de niveau C, et en lien avec votre diplôme. Et si jamais vous n'allez pas pouvoir postuler au PEC travailleur si vous avez un emploi non qualifié, et il semblerait que dans la réforme, on maintienne cette exigence de critère des 24 mois de travail qualifié. Merci pour ces précisions. On nous dit plusieurs fois merci pour la présentation. Je vous le dis au passage, hein, parce qu'évidemment, je vous pose plein de questions, mais il y a aussi des gens très contents qui ont pris déjà beaucoup d'informations. Quand on est détenteur d'un permis de travail fermé, l'obtention de l'offre d'emploi valide, ça se fait après 6 mois dès la date d'entrée en vigueur, en fonction, ou peut-être ça peut être demandé avant. L'offre d'emploi validée, ça c'est normalement lié au PRTQ, C'est ce pas que je voulais dire. au PEQ. Donc vous aurez plus d'informations là-dessus sur la prochaine conférence, mais brièvement, techniquement, on peut le demander avant ou après la soumission de notre déclaration d'intérêt. Donc c'est ça, c'est préférable d'avoir l'offre d'emploi validée approuvée avant qu'on soumette la déclaration d'intérêt. Ça nous évite de mettre à jour notre profil à chaque fois, mais c'est à votre choix. Très bien, merci. Fournir notre diplôme, un CESS en Belgique, est-ce que ça suffit pour prouver nos 3 ans d'études en français ou est-ce qu'il faut reprendre nos bulletins? Alors là, il va vraiment falloir avoir les relevés de notes. Comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment 3 années qui doivent être justifiées et démontrées. Donc si vous avez fait votre diplôme en français, le diplôme, il va falloir le fournir, mais il va falloir fournir tous les relevés de notes sur 3 ans. Très bien. Bon, ça va, ça fait un peu de paperasse, mais en même temps, on le sait à la résidence permanente, ça ne se fait pas comme ça.
Alors ça, on a déjà répondu tout à l'heure. Je ne suis pas certaine de comprendre la différence entre la CNP et le FER. C'est un peu la même chose. Je vous laisse peut-être répondre. Oui, alors CNP, c'est toujours CNP, le Code national des professions. C'est la façon d'appeler comment on sépare les niveaux de compétences de chaque profession. Donc, anciennement, en novembre 2022, il y avait une grosse modification au Code CNP. Donc, maintenant, c'est classifié avec la Code CNP de 2016 et la nouvelle qui est de 2021. Donc, celui de 2016 est toujours utilisé par le MIFI, très important à savoir, au niveau fédéral, donc tout ce qui est IRCC, c'est les nouveaux codes CNP qui est le FER. Donc, CNP de 2016, on utilise 0, A, B, C, D. Et les nouveaux codes CNP qui sont les FER, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour les postes qualifiés de la CNP 2016, c'est 0, A et B. Et oui, pour la code CNP de 2021, ce qui est qualifié, c'est 0, 1, 2, 3. Et donc, 4 et 5, normalement, c'est considéré non qualifié. Et la CNP 2021, sera utilisée à partir de quand pour le MIFI, du coup? On ne sait pas encore. On n'a pas de nouvelles à ce sujet. Donc, on utilise toujours la code CNP 2016. Okay. On espère pouvoir utiliser la nouvelle, les nouveaux codes prochainement pour ne pas se mélanger entre les deux à chaque fois. Exactement, surtout que pour certains, ça a changé beaucoup de choses. Ils sont passés en métier qualifié, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Je suis infirmier, j'ai décroché un contrat de 3 ans. Il me propose d'office un contrat temporaire. Est-ce que c'est judicieux ou, il est marqué, ou le PTQ? Alors, ça dépend ce que vous voulez dire par contrat temporaire. Est-ce que c'est un emploi à temps partiel? Ou bien est-ce que c'est un contrat temporaire, disons, de 6 mois? Ça dépend le cas. Parce que là, si vous avez un contrat de 6 mois et si vous voulez vous postuler une demande de CSQ pour le PEC travailleur, ben, il faudra trouver un autre employeur pour continuer à accumuler vos mois de travail. Si l'employeur le considère simplement un emploi temporaire ou c'est un contrat temporaire sujet à des changements, ben là, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Ça ne pourrait pas nécessairement affecter votre demande au PEC. Donc, ça dépend ce que vous voulez dire par contrat temporaire. Je ne sais pas, Claire, de ce que tu as compris. De ce que j'ai compris, ce serait si vous avez un contrat donc, temporaire, ça voudrait dire qu'il souhaiterait potentiellement peut-être pas le renouveler. S'il est de 3 ans, votre contrat, on va vous dire de privilégier d'avoir vos 24 mois d'expérience parce que vous allez avoir le temps de les cumuler et ensuite demander votre CSQ dans le programme du PEC travailleur. Et le PTQ, pour moi, ce serait le programme des travailleurs qualifiés. Ce serait potentiellement un autre biais. Donc là, ça vaut le coup de faire potentiellement une consultation pour évaluer votre profil, pour savoir ce qu'il en est et avoir plus de détails. C'est vrai que ça me fait penser à quelque chose que j'ai moins dit aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez la possibilité via le cabinet d'avocats en immigration Nadia Barou de vous faire accompagner tout du long dans vos démarches, bien évidemment, mais vous pouvez aussi décider de faire une seule consultation. Comme je vous l'ai dit en introduction, vous avez 20 $ canadiens de réduction via pvtis.net. Et en gros, ça vous permet un peu de mettre sur la table votre situation, vos enjeux, vos éventuelles difficultés, ce que vous avez envie de faire. Et ça permet, comme toute l'équipe connaît très bien un peu tous les filons, tout ce qui fonctionne, tout ce qui ne fonctionne pas, ça permet d'avoir des conseils pour ensuite faire tout par vous-même, mais avec la bonne stratégie. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Je vois un message qui m'étonne. Quelqu'un qui dit « Problème soulevé par le VIE, ce n'est pas légalement un emploi, c'est un volontariat. » Alors, c'est vraiment la première fois qu'on a autant de questions sur le VIE parce que pour moi, c'est vraiment de l'expérience de travail au Québec. Pour le coup, je suis assez étonnée. Alors, oui, je vais juste ajouter un point là-dessus parce que techniquement, les candidats qui ont un VIE ne sont pas directement payés par une entreprise au Canada. Normalement, ils reçoivent des allocations de Business France et le programme qui gère ce type de permis. Donc, je comprends, c'est là où ça pourrait être problématique. Je ne sais pas, Claire, si tu avais fait des permis VIE spécifiquement pour des clients récemment. As-tu des nouvelles là-dessus? Parce que
pour moi, en tout cas, c'est pas ma spécialité, mais c'est vrai que c'est pas un salaire directement versé par une entreprise au Canada, au Québec spécifiquement. Mais normalement, voilà. Pour le VIE, ça va quand même être un partenariat avec le Canada. Le Canada autorise, parce que le VIE, c'est pas simplement au Québec, c'est dans tout le Canada. Et donc, normalement, il y a un accord France-Canada qui permet aux personnes en VIE de faire valoir leur expérience de travail au Canada, même s'ils sont rémunérés par Business France. Donc, il y a eu un changement dans les lois fédérales, donc peut-être faire un petit focus dessus et puis regarder, demander aussi à Business France qu'ils doivent être au courant de tous ces accords en immigration. Mais normalement, actuellement, vous pourriez faire valoir votre expérience de travail en tant que VIE dans la catégorie du PEC. Très bien, merci beaucoup. Ma conjointe fait actuellement un DEP de 1100 heures. Elle a le droit à un permis post-diplôme du temps de ses études. Si j'ai bien suivi votre présentation, elle n'est pas admissible au PEC. Alors, en effet, elle ne va pas être admissible au PEC parce que son DEP, il est de moins de 1800 heures. Elle peut le coupler avec une ASP pour atteindre les 1800 heures et ensuite demander son permis de travail post-diplôme. Sinon, elle peut passer en post-diplôme et accumuler une expérience de travail, potentiellement trouver un employeur, passer en permis fermé, et puis une fois qu'elle aura cumulé les 24 mois d'expérience de travail, postuler dans le volet travailleur. Ou, si c'est votre conjointe, vous avez dû avoir un permis de travail ouvert. Donc, si vous avez travaillé dans un emploi qualifié durant les études de votre conjointe et que vous allez vous coupler à son permis de travail post-diplôme encore par un permis de travail ouvert pour conjoint, vous pourriez être le requérant principal du CSQ pour les travailleurs. Très bien, merci pour ces conseils. Quelqu'un nous demande combien de temps est valable le certificat de police? Ça dépend du pays. Donc, normalement, la plupart des certificats de police ont une validité de 6 mois ou même 12 mois. On va vraiment vérifier le document. Il y a certains pays qui ont une validité de 3 mois. Donc, il faut faire attention. Ouais. Très bien. Je vois qu'il y a beaucoup de questions par rapport au niveau de français. Est-ce que si on est né en France, de parents français, diplômés en France, il faut quand même passer un test? Que ce soit le test français ou bien si vous avez complété des études en France, en français, bien évidemment, et que vous avez les relevés de notes qui démontrent ces 3 ans d'années d'études au complet, vous n'êtes pas obligé de fournir un test de langue. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a des questions qui se recroisent. Il y a eu pas mal de choses qui ont été déjà répondues. J'en profite pour vous rappeler que une fois qu'on aura terminé ce webinaire, vous pourrez retourner sur notre chaîne YouTube PVTiste. Vous aurez le replay de ce webinaire. Et en commentaire, je vous ai mis les liens qui ont été mis dans la présentation de Claire et Amanda. Donc, n'hésitez vraiment pas à utiliser ce webinaire. Ça vous permettra de le voir, le revoir peut-être s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Ensuite, là, il y a d'autres questions qui sortent du sujet du jour. Pour la preuve de fond, pour un permis d'études de ma conjointe, alors là, c'est un petit peu différent. Combien de temps avant doit-elle avoir l'argent sur son compte canadien? Bon, ça, c'est différent. Essayez de rester au maximum sur le PEC ce soir. Est-ce qu'on répond à… Voilà, normalement, on suggère au moins que les fonds soient dans le compte pendant 6 mois. 3 à 6 mois, normalement. D'accord. Très bien, merci. J'ai obtenu 3 AEC en 2021. Actuellement, je suis en permis post-diplôme. Je travaille dans le milieu de la télé et j'ai donc plusieurs employeurs. Est-ce que ça compte dans le comptage des heures de travail? Alors oui, tout à fait. Tous vos employeurs vont être dans le cumul de l'expérience de travail. Il faut bien que vous ayez vos fiches de paie pour démontrer que votre travail a été fait de manière qualifiée, à temps plein, de manière salariée et au Québec. Donc là, il faudra demander des attestations de travail auprès de tous vos employeurs qui attestent que vous avez bien travaillé de manière qualifiée, à temps plein, au Québec, et démontrer cette expérience de travail. Mais vous pouvez bien sûr cumuler plusieurs expériences de travail avec plusieurs employeurs pour l'expérience de travail. Très bien, merci beaucoup. Et c'est vrai que dans certains domaines, on n'est pas... Enfin, on est amené à travailler avec plusieurs employeurs, donc c'était très pertinent de poser cette question. Est-ce que la formation Objectif Intégration peut remplacer les tests de français pour le PEC des diplômés? La session Objectif Intégration, ça c'était pour le test de valeur. C'est ça, c'est pas le test de langue, effectivement. Non, c'est le test des valeurs, l'attestation des tests de valeur pour le CSQ.
Ok, merci beaucoup. Effectivement, entre test et test, on peut un petit peu confondre. Alors là, je vois une question, mais je pense que ça vaudrait le coup peut-être de re-regarder le webinaire, ce que quelqu'un nous dit à la fin d'un DEP plus l'ASP de 1800 heures. C'est quoi les démarches à suivre? Est-ce qu'il faut déposer pour accumuler les 18 mois d'expérience ou bien déposer directement le CSQ? Ah oui. Alors, je pense que... Ça va dépendre quand vous déposez votre demande, parce que là, techniquement, il faut l'expérience de travail à la suite du programme, vu que bon, ce PEC qui est en vigueur l'exige. Oui. Mais avec les changements à venir, normalement, ça, techniquement, vous pourriez le déposer sans l'expérience de travail. Donc, ça dépend quand vous déposez la demande. Je vais vous poser une question qui ne va pas vous plaire toutes les deux. Je sais qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va changer pour le PEC et quand, mais de votre expérience, quand il y a des annonces comme ça, est-ce que peut-être ça va être 2025 ou quand même on peut s'attendre à ce que ce soit d'ici la fin de l'année? Une petite tendance. Je pense, mon opinion, je pense qu'au courant de cette année, ils devront apporter ces changements, mais encore… Voilà. Ils n'annoncent pas ça 2 ans avant. Enfin, ils évitent. Non, exact. Exact. D'accord. Ça peut être fin d'été, automne 2023 aussi. On verra. C'est le temps que tout le monde se mette d'accord, que les discussions soient finalisées, que les textes soient rédigés. Oui. Et ça peut prendre un peu de temps. Exactement. D'accord. Si le MIFI continue à utiliser la CNP 2016, est-ce que cela veut dire qu'en tant que préposé aux bénéficiaires, CNP niveau C en 2016, mais par contre 2021 fait R3, je ne peux pas faire une demande de CSQ, même si je cumule deux années d'expérience en permis de travail fermé au Québec? Alors, c'est ça. Le MIFI utilise le code CNP 2016, malheureusement, en ce moment. Donc, c'est dommage, oui. Ça fait un petit bout, tu sais, quand même, depuis novembre, qu'ils n'ont pas mis à jour leur système pour pouvoir utiliser les codes CNP de 2021. On espère juste que les changements vont avoir lieu bientôt pour que ça ouvre la porte pour d'autres personnes. Exactement. Est-ce que vous connaissez la durée de validité d'un test de français quand une fois qu'on l'a passé? C'est de 2 ans, normalement. Ouais. OK. Désolée, Claire. Claire. Alors, quelqu'un qui serait diplômé du Québec en été 2022 en maîtrise, mais qui n'a pas travaillé, c'est pas bon. En tout cas, pour le moment. Enfin, oui. Pas pour le moment, effectivement. Là, il va falloir tout de même, vu que c'est un niveau maîtrise, donc c'est un niveau universitaire, prouver 12 mois d'expérience de travail. Mais on verra avec les nouvelles mesures si jamais cette expérience... Voilà, si vous êtes en train de travailler, que vous allez accumuler vos 12 mois, on va... vous dire commencer à préparer vos documents pour vous préparer à déposer votre CSQ. Si vous êtes très loin des 12 mois, vous pouvez commencer à regarder un petit peu s'il va y avoir des nouvelles dans les prochains mois pour pouvoir déposer votre CSQ sans expérience de travail. OK, super. Ma conjointe a fini son DEP et moi, je suis étudiant au Cégep. Si elle fait sa demande de résidence permanente, quel sera mon statut pendant cette période? À savoir que la demande de résidence permanente, lorsqu'elle est déposée, ça ne vous donne pas un statut automatique pour pouvoir rester au Canada. Donc, il faut toujours s'assurer de garder un statut valide, c'est-à-dire si vous avez un permis d'études qui va expirer dans 2 mois, de le prolonger pour un nouveau permis d'études, permis de travail, quoi que ce soit. Donc, ça dépend par après si vous êtes joint à sa demande de résidence permanente, si vous êtes conjoint de fait, donc vous vivez ensemble pendant 12 mois continus, ou si vous êtes un couple marié, si vous déposez votre demande en tant que couple, donc même à ça, ça ne vous donne pas de statut, donc votre demande sera en traitement simplement. Mais par la suite, si vous avez fait votre demande de CSQ ensemble, ça vous ouvre la porte au permis A73, qui est pour les détenteurs de CSQ qui sont physiquement présents au Québec, ou bien lorsque la demande de résidence permanente est déposée, vous pourriez être éligible également au permis A75, qui est le permis de travail ouvert transitoire. Donc, ça dépend de la situation, si vous allez déposer la demande ensemble ou pas, mais à savoir que la demande de RP, en le déposant, ça ne vous donne pas de statut. OK. Merci pour ces précisions. Alors, pour ceux qui se demandent un petit peu si leur emploi est éligible au CSQ, je vous invite à aller sur Google. Je viens de faire le test. Vous tapez CNP
2016 pour voir un petit peu, bah, trouver votre emploi, voir dans quelle catégorie c'est. Si c'est A, B ou 0, c'est qualifié et c'est bon pour le PEC actuellement en tout cas. Et si c'est C ou D, c'est pas bon. Mais si vous êtes dans les catégories C ou D, ne vous découragez pas. Essayez de guetter un peu ce qui va changer cette année ou peut-être l'année prochaine au niveau du PEC. Et puis peut-être qu'il y aura des bonnes nouvelles. On va prendre encore quelques petites questions. Je voudrais savoir, pour un diplômé étranger qui occupe déjà un poste, est-ce que l'autofinancement est obligatoire? Alors, par autofinancement, je suppose que c'est le contrat d'autonomie financière. Donc, je pense que si c'est le cas, oui, vous devez le signer, mais ça n'engage pas en fait un dépôt de fonds. C'est juste un engagement sur l'honneur, comme quoi, une fois que vous ayez la résidence permanente, que vous soyez ou non à l'emploi, vous allez subvenir à vos besoins et que vous n'allez pas aller en fait sur l'aide sociale du Québec ou du Canada. Mais l'autofinancement, c'est ça. Vous n'avez pas un dépôt de fonds à faire. Donc, normalement, c'est le contrat d'autonomie financière, oui. C'est un dépôt de fonds, non. D'accord. Très bien, merci. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Pensez bien, je pense, pour certains, comme on ne va pas tarder à terminer, n'hésitez pas à regarder le replay tout à l'heure. Ce qu'on évoquait, le fait qu'en tant qu'étudiant, il faut cumuler 1800 heures. Là, quelqu'un nous parle de 10 mois de formation. 10 mois, ça va être trop court. Il n'y a pas généralement 1800 heures, c'est environ 2 ans. Donc, n'hésitez pas vraiment plus tard à regarder le replay. Vous aurez des réponses à beaucoup de questions. Quelqu'un nous dit, si on vous demande en mariage, est-ce que ça accélère le processus? Et c'était pour rire, donc vous n'avez pas de passe-droit, hein, vous êtes un cabinet d'avocate et consultante, mais non, vous avez les infos dans la tête, mais pas de passe-droit malheureusement. Et moi non plus d'ailleurs, je le précise aussi. Alors, est-ce que je peux demander un permis, alors le PVT, durant le traitement de la résidence permanente? Alors, ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui est peut-être arrivé en tant qu'étudiant, qui demande la résidence permanente. Bah, pendant le processus de traitement de résidence permanente, sous condition, on peut avoir droit à des permis de travail, peut-être sans passer par le PVT finalement. Oui, exactement. Donc, il y a le PTOT, le permis de travail ouvert transitoire. Donc, lorsqu'on dépose la demande de résidence permanente et qu'on reçoit l'accusé de réception officielle qui indique le numéro du dossier dessus, avec ça, on peut demander ce permis ouvert. Donc, ça revient à la même chose. L'avantage du PTOT dans ce cas-ci, c'est que si le candidat se trouve au Canada, en déposant le PTOT, ça lui donnerait un statut implicite s'il le dépose juste avant l'expiration de son permis actuel. S'il dépose le PVT, c'est un permis qui est traité de l'externe et donc le statut implicite n'est pas présent dans ce cas. Donc, oui. C'est ça. Pas forcément. Ça permet un statut exact. OK. Super, merci pour ces précisions. Changer de programme dans le même cycle, est-ce que ça posera problème pour le PEC plus tard? De maîtrise à MBA, en l'occurrence. Alors, dans le formulaire de demande, normalement, ça nous pose la question. Avez-vous changé de programme d'études? Ça dépend le cas spécifiquement, parce qu'il y a certains cas où ça ne vous rend pas éligible au PEC étudiant. Dans le cas où l'étudiant n'a pas étudié, au premier programme, est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'on sait s'il a étudié ou non, s'il a complété ou si c'est juste un changement de programme? Non, je ne crois pas qu'il ait complété. Il n'a pas précisé. Le Fab, si tu veux préciser, n'hésite pas. Est-ce que tu es en train d'étudier là dans ta maîtrise et tu penses changer en MBA plus tard ou est-ce que tu as fini ta maîtrise pour le moment? On veut bien savoir ça. Ça peut aider à te répondre. Parce que normalement, il faut faire la demande de CSQ avec le plus récent diplôme. D'accord. Ok, intéressant. Juste faites attention. Donc, si par exemple, vous avez complété un bac, puis après une maîtrise, il faudrait faire la demande avec la maîtrise. La maîtrise, oui. D'accord, je vois. On va lui laisser 2 petites secondes pour répondre. On nous demande si quelqu'un dépose une demande de résidence pour lui et pour ses enfants, est-ce qu'il donne les permis d'études pour les enfants en attendant la résidence permanente? Alors, comme l'a souligné Amanda, le fait que vous déposiez une demande de résidence permanente ne donne pas de permis. Il faut vraiment que vous vous occupiez de votre situation de manière légale au Canada. Donc, pour les enfants, ça va dépendre de leur âge. Une fiche visiteur, par exemple, peut suffire parce qu'il y a une obligation de scolariser les enfants. Par contre, si on est plus sur un niveau secondaire 5, cégep, on va privilégier les CAQ permis d'études pour les enfants. Donc, c'est une demande qui doit être faite. C'est mieux d'attendre de déposer sa résidence permanente et ensuite demander le permis d'études?
faut tout à fait régulariser sa situation selon le permis. Si vous déposez votre résidence permanente et que votre permis d'études est en cours de validité, il faudra, on va dire, avant l'expiration de celui-ci, renouveler. Donc, demander un CSQ et demander un permis d'études. Si au moment de votre demande de résidence permanente, vous êtes très proche au niveau des délais, on va vous conseiller de déposer votre demande potentiellement avant. D'accord, impeccable. Le FAB a répondu concernant le maîtrise à MBA. Il dit « Ma rentrée est en septembre, je n'ai pas encore débuté mes études. » À mon avis, normalement, je ne vois pas de problème avec ça. C'est sûr, il faut vraiment établir la raison du changement de programme dans le même cycle et tout. Donc, je pense que en consultation, on va pouvoir mieux vous guider avec ça, vos chances dans le PRTQ. Aussi, on ne sait pas avec le nouveau PEC si ça va, ils vont être plus flexibles à ce niveau-là, parce que c'est en effet une question dans le formulaire de la demande. Donc, je suggère, pour aller plus en détail là-dessus, juste peut-être nous contacter, nous donner un peu plus de détails du parcours d'études, le changement, le type, la maîtrise spécifique que vous avez commencé avec. Il a dit « J'avais une admission en maîtrise, mais j'ai demandé un changement de programme pour le MBA. » Et ensuite, il l'a obtenu. Donc, en fait, il n'a pas du tout commencé ses études. Ah, OK. Donc, il avait pas changé. Ça pose problème. Ça pose problème. C'est correct. Super. Génial. Bon, quelqu'un nous demande PEQ, PRTQ, qu'est-ce qui serait le plus rapide? Ben, comme on a dit au tout début, si vous avez en fait la liste des conditions de recevabilité, si vous les cochez, allez de l'avant avec le PEQ parce que là, vous êtes sûr qu'en déposant votre dossier, vous allez avoir un agent d'immigration qui va traiter votre demande. Qu'elle soit acceptée ou refusée, ce sera traité. Alors que pour le PRTQ, c'est un système de pointage. Il faut que votre profil soit évalué. Ensuite, ça vous met dans des bassins. Il faut être tiré au sort. Donc là, ça peut aller très, très vite, comme très, très lentement. Et c'est très aléatoire. Donc, le PEC, c'est si vous toutes les conditions de recevabilité sont acceptées, on y va. Et sinon, le PRTQ, c'est une évaluation au cas par cas. Et on peut faire une simulation de points pour voir un petit peu où on se situe aussi, voir si c'est un plan galère, entre guillemets, ou si au contraire, on a beaucoup de points et ça ira plus vite par ce chemin-là. Donc, ça vaut le coup de regarder des deux côtés les critères de sélection. Je vous rappelle que le webinaire sur le PRTQ, ce sera le 27 juin. Ne le manquez pas. Si vous n'êtes pas disponible, il y aura le replay comme le webinaire d'aujourd'hui. D'ailleurs, ça nous amène à la fin. Je vous remets une dernière fois le petit lien vers l'article dédié à l'équipe de Nadia Barou sur pvtis.net. Ça vous permettra d'avoir des petites informations, de retrouver des liens intéressants et puis retrouver également les informations concernant leur consultation, comme je vous le disais tout à l'heure, pour y voir plus clair. Des fois, c'est pas mal. Je vous remercie beaucoup à toutes les deux pour toute votre expertise. C'était très clair. Je trouve ça pas mal. D'habitude, on avait fusionné PEQ, PRTQ. Là, de le découper, je trouve ça intéressant. Ça permet de se focaliser sur un programme et que les gens choisissent un petit peu ce qui les intéresse le plus. Donc vraiment merci pour votre expertise et puis je vous souhaite une très bonne journée. Avec plaisir, bonne soirée tout le monde. Merci, merci beaucoup, bonsoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir.